Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite vidéo, très rapide. Comme vous avez pu voir dans ma dernière, je pense, ou avant-dernière vidéo, je vous présentais lors d'un unboxing des broderies 1DP. Et vous avez pu remarquer que j'ai une broderie que je me suis trompée, je l'ai pris en point compté au lieu de la prendre en estampé. Voilà. Comme je sais que en plus je me suis ça c'est bien moi avec une autre boutique j'avais commandé le même kit presque en même temps, j'ai pas fait gaffe, mais l'autre kit sera bien en estampé. Du coup je vais me retrouver avec deux kits avec le même motif, mais un en point compté, un en point estampé. Je vais garder pour moi l'estampé, voilà. Et moi, je vais vous faire gagner aujourd'hui le kit en point compté. Voilà. Bon, il y a un seul kit à gagner. Hein. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai un concours, je ne sais pas quand, mais avant la fin de l'année, avec des broderies à gagner. Voilà. Mais ça, ce sera dans quelques semaines. Là, aujourd'hui, je vais vous faire gagner ce kit. Voilà, le fleur du mois de mai, avec son joli bouquet de muguet. Voilà. Donc, c'est un 14 CT, donc il va se broder en deux fils. Le dessin en lui-même fera 12 cm sur 12 et la toile fait 17 sur 17. Voilà. Bon, on remonte en vitesse. Bon, je ne vais pas vous faire du face bureau là, mais vous l'avez déjà vu lors de l'unboxing. Donc, je vous remontre. Voilà, vous avez vos fils, hein, bien sûr. Hop. Donc, beaucoup de vert, du blanc, du gris très très clair, presque blanc. Voilà. Donc, il y a tous les fils. Il y a la toile. Voilà, hop, il y a un petit fil qui se promène. Toile surjetée, voilà. Donc, pour la commencer, celle qui la gagnera, vous aurez juste à la plier en deux et la replier en deux, voilà. Et comme ça, vous pourrez marquer votre milieu pour vous savoir où vous devez commencer. Voilà, ben là, le milieu, je vous l'ai déjà marqué. Et vous avez, très important, le patron. Alors, il est super clair, hein, très facile à lire. Il n'y a aucun problème. De toute façon, les Joy Sunday, on n'a rien à dire. C'est du nickel chrome à chaque fois. Donc, voilà. Et le milieu est marqué ici. Voilà, par le trait rouge. Donc, voilà. Ben, écoutez, moi, je vais vous faire gagner ce petit kit. Alors, pour le, je ne vais pas faire donner le numéro. Puisque là, c'est un petit concours comme ça, rapidos. Je vais vous dire, alors, un petit bonjour, un petit bisou au passage, ça fait plaisir dans le commentaire. Et puis vous me marquez Muguet, voilà, vous me marquez Muguet dans les commentaires et je ferai le tirage au sort. Alors je vais faire le tirage au sort assez vite, on est quoi, lundi, oui. Je fais le tirage lundi prochain. Voilà, lundi prochain. Donc je laisse le concours une semaine et lundi prochain je ferai le tirage au sort. Voilà, je vous remarque la date exacte ici. Et voilà. Donc il y aura un kit à gagner. Voilà, c'est pas beaucoup pour une fois, mais c'est déjà ça. Hein. Mais moi je vais pas le faire, donc ça sert à rien de le garder. Je ne vais pas le donner non plus à ma belle-fille pour le broder parce qu'elle ne fait pas de points comptés. Et le petit bouquet muguet comme ça, je sais que ça lui plaît pas. J'en avais déjà parlé parce que j'avais dit que j'allais le recevoir en double. Mais je savais pas que je m'étais trompée, que j'avais mis un point compté et un estampé. Et elle m'avait dit que non, ça lui plairait pas. Donc, je préfère vous le faire gagner, faire plaisir à quelqu'un, voilà. Et puis le faire par un concours, comme ça, c'est plus rigolo. Voilà, allez-y, à vos claviers. À vos commentaires et n'oubliez pas de me marquer Muguet dans votre commentaire pour que je sache que vous voulez participer au concours. Allez, je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.